grâce à l'international là. Et malgré tout, l'État haïtien n'a pas même fait un effort à partir de ça pour que Mounsayo donne nos décisions et puis vous plaît comme qu'on y a dans des paradis fiscaux. Il va même faire effort ça. Et l'on va faire effort là, pour gros comme ça, ou tout comme Petrocaribe, sans insécurité dans le pays. Parce que Mounsayo, pour éviter la justice là, il y a même comme dans le pays pour des zones, pour qu'on ait la justice. Donc l'État haïtien n'a pas voulu faire un minimum de travail parce que l'État là dans tout, il n'y a ni mon Petrocaribe, ni mon capable de sécurité. Je dis à mon membre de CNDDR qui dit que les nègres n'ont pas les besoins comme ils ont les gangs, ils ont dit tirer, faire des zones, faire tout ça vous voulez. Et puis après, même encore, ils ont encore dans l'État et puis ils ont dit on va le calmer là. Les au calme, yo prend moitié dans comme là, yo va gagner là, on parti. Et ça on va comme parti à cette même ça qui va faire déclencher munitions et puis zam. Ça veut dire que l'aide de parler de banditisme d'état c'est exactement comme on les même c'est l'année dernière là bon. Bon c'est dossier là. Il fait aveu. Il montrait à partir de ça c'est banditisme d'état. Même Jean, là nous dit que l'ancien ministre Jean-Louis, tal par exemple, nous débarrons preuve de banditisme d'état. Et je dis, pour dire banditisme d'état, là, continuons l'autre genre, soit par l'inaction, soit par l'effet que nous-mêmes nous pouvons gagner dans nous. Donc, je dis, moi je fais une époque pour nous attirer attention tout le monde là, même journaliste, il y a une situation, c'est vrai, mais nous, mais. Parce que l'information ça est important pour nous de façon personnelle. Parce que si on a enveloppé le président, on ne peut pas marcher. Si il y a de nouveaux gangs qui viennent, il pendant que vous avez des efforts à faire, et puis nous ne pouvons pas constater l'effort. Donc moi je crois qu'il fallait attirer l'attention pour que le commissariat ait un minimum de responsabilité pour ce commandement. Sur la question de traçabilité de quoi qu'il prend. Et nous pouvons que nous avons un bail, un point de vue spécial. Sous question de ça c'est plus arrivé comme que ils ont commencé à découvrir à travers les cas des ministres dans ces premiers ministres mais pour le moment la stabilité a les cas fait le pays a parce qu'ils n'ont caché 200 000 dollars à cause de la bille de la matériaux pour compter la recherche et si l'État justement fait respecter les règles côté l'homme avec 200 000 dollars il faut déclarer le côté ils ont trouvé des nouveaux pôles de kidnapping des nouvelles zones de kidnapping. Voilà en gros, ça nous a besoin de dire sur question ça, attirer l'attention encore une fois autour de nous. Et nous-mêmes, nous prenons pour que question de sécurité, nous côté étendard, pour que la population qui a joint la sécurité, et nous annoncer que nous avons fait des conférences à travers la sécurité qui n'est pas en action, qui n'est pas en pratique. Il est extrêmement important pour que à chaque fois nous ayons des briefings sur question de sécurité aux populations informées et également toujours attirer attention aux autorités même de facto là de façon parce que nous voyons comment la population ça a la difficulté ça a qu'elle a car un minimum de protection et ne pas hésiter à tout moment pour nous parler de ça pour nous faire plaidoirie pour que nous arrivions dans une situation sécuritaire. Je dis que, justement, ça nous constate ce semaine ça, c'est que la situation de sécurité a évolué. Partant du week-end, là, côté que tu as plusieurs kidnappings, dans 5 seulement dans la montagne noire, dans lundi, dans la zone Torset, et pendant que je parle avec nous là, eh bien, pour avoir une immigration, ils ont kidnappé. Ça veut dire que très insécurité, l'enfer insécurité a eh bien, là, évolué sans que par exemple, la chose qui fait pour aider. Et nous voyons que le pays a pris, zone métropolitaine, des grandes stratégies que Gagnon ont développé, c'est la stratégie du double enveloppement. Dans un premier temps, et ceci jusqu'à 12 mars, nous avons
Nous sommes partis de Fontamara, de Matissan, de Bicentenaire, de la Villa, de Cité Soleil et de 400 Maozo. Je dis à nous, après l'opération 12 mars, là, tu es en pile. La police échoué, tu es en pile, chef de gang qui était éparpillé. Et ça qui est allé la boule. Et je dis à Noé, au niveau de 400 Maozo, il y a alliance qui fait avec Torsel. Et il y a alliance qui fait également avec Keskov. Ça veut dire que mon cap suivio, toute zone est enveloppée. Il m'a attiré l'attention, c'est parce que j'ai l'impression que la police et l'autorité par l'enveloppement qu'a fait sous zone métropolitaine. Le militaire dans l'opération, il qu'on fait des attaques frontales, des attaques par le flanc, il qu'on fait tout, on attaque, ça nous dégarrile de en tout enveloppement. Eh bien, c'est dans tout enveloppement. Toute zone métropolitaine n'a pas enveloppé pendant que, justement, n'a dit la police, n'a dit l'État, bon travail qui vous fait. Et puis, c'est comme si rien n'était. Et j'en te dis là, quand il y a une quotidienne, quand il y a évolué, il y a enveloppé nous, et puis tout le monde était assisté, et c'est le, il y a fini d'envelopper nos nets. Et bien, c'est le ça. Et bien, moi, je crois que, car le ça, il n'y a pas de guérison. Et dans ce sens, ça, nous croyons que, l'important, nous dit justement vérité parce que ça nous est bon côté mon business et des bandits tombés la police pas arrêté pour même protéger son nom et leur aller ça lui nous fait c'est que bandits retournaient et ils ont fait travail de pillage et ont même kidnappé le monde. Je dis à c'est parce que nous ne pouvons pas consolider côté que la police est eux, qui fait leur pas consolider, non seulement maintenant ils occupent la zone, mais ils éparpillent. Donc actuellement, la zone métropolitaine, ils ont une stratégie de double enveloppement. Et nous, d'après information, nous avons kidnappé un monde dans la zone. Donc, nous parlons de quoi immigration. Et l'on regarde, ce qu'a fait, c'est que négociation a fait dans l'autre zone. Ça veut dire que les gens qui kidnappent à mon côté, ils mettent les gens dans le planer dans l'autre côté. Et l'autre côté, ça, c'est des côtés qui battent justement la géographie gang. Il a augmenté. On va attirer l'attention de toute la population. On va attirer l'attention de tous les deux. C'est que je vous dis, pendant qu'il y a bataille dans la question gouvernement, dans la question politique, eh bien, la population est en difficulté. Et données, ça aucune appareil, c'est des données que nous partageons avec d'autres experts. Nous parlons avec le président Abdelva, justement, sur la stratégie ça. Et là, nous confrontons éléments d'information, nous croyons que c'est extrêmement important. Nous dit population, nous prenons une stratégie que je dis à il est extrêmement important pour lever bien nous, pour Bita, Papidris. C'est vrai que nous sommes dit nous baillons un plan de sécurité. Mais au minimum, avant même plan de sécurité, ça nous demande pour la police faire. Nous demandons pour l'autorité au fait. Imaginons dans une zone métropolitaine. Comment faire qu'il y a enveloppé comme ça alors que nous avons un commissariat, des grands commissariats, Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Carrefour, Cité Soleil, Tabac, Keskov, Croix-des-Bouquets, Gressier, Gantier. Nous avons 10 communes de la zone métropolitaine. Il y a chaque un commissariat là-dedans. Il y a rien, justement, un minimum de 200 à 300 membres. Comment commissariat? Et dans le commissariat, ça y a, il y a un QRF. Là où les quick reaction force,
gain unité d'intervention, gain SDPJ. Ou a dit que pas qu'il y a aucun travail qui fait dans le commandement intermédiaire. Et que je dis à chaque organe, vous voulez établir nos zones. Vous établir nos zones. Quel est le travail de ce commissariat? Commissariat ça, qui est là-dedans? Lié SDPJ, lié service départemental police judiciaire. Lié là-dedans, unité de réaction. Lié là-dedans, département. Comment faire que à chaque fois, il y a un organe qui est installé, et puis c'est rare fois autant des populations réagissent au courrier d'elle, mais après une fois, il y a arrivé faire. Questionnez-nous sur le travail des commissariats. Et chaque commissariat, c'est un nombre de policiers là-dedans. Pour qui ça commandement intermédiaire, yo, pas réagir. C'est vrai, nous besoin en unité spéciale anti-gang, comme on dit dans le plan, mais il y a le travail régulier des commissariats. C'est vrai, il y a le travail pour arrêter le travail de la police judiciaire, mais il y a le travail de la prévention. Il y a le travail du déploiement également des patrouilles dans les zones. Anormal que nous ouais double enveloppement ça fait alors que c'est 10 grands commissariats, on ne va pas parler de sous-commissariat. Pour que nous bien comprendre ça, si on parle de canapé vert, sont sous-commissariats. Sont sous-commissariats qui dépendent de Port-au-Prince qui est un grand commissariat qui s'est pompier. Si on parle de Delma 3, sont sous-commissariats qui dépendent de commissariats qui sont dans Delma 3. Donc, commissariat, il y a des sous-commissariats, il y a des postes, il y a des patrouilles fixes, et malgré tout, il y a enveloppé. Il y a normal. Et si on quitte l'enveloppement, ça a fait, là, difficile pour que qu'on y a là, ou déployer même plan, il faut ajuster le plan, parce qu'entre-temps, bah, elle a évolué et ouais, tout le monde a accepté le comportement. La deuxième chose, en plus du leadership intermédiaire, en plus du travail des commissariats, que nous demandons chaque commissaire ça y a, prendre responsabilité. Y a. Parce qu'il y a normal, leur commissaire, en côté, ou en responsabilité, ou en travail qui vous fait. La deuxième chose, qu'est-ce que vous voulez, la traçabilité. L'information que vous gardez, de mois d'août à mois de septembre. Il y a au moins de 500 000 dollars, 1 million de dollars que vous bail pour vous kidnapper. Et comme ça, elle va à la banque. Et comme ça, elle allait acheter matériaux de construction, elle allait acheter ciment, acheter fer, elle fait le bail. Eh bien, je dis, si l'État, et pas la police seulement, je vais parler de l'État. C'est l'État qui a fait traçabilité. C'est vrai qu'il y a des zones que la police tout considère comme des zones de non-voyage mal là-dedans. Mais il y a une autre zone qui a rentré la question. Si le minimum de traçabilité, tu peux te dire oui, en pile l'autre côté, qui n'est pas côté que nous connaissons de non-voyage ou non, mais en pile l'autre côté que vous avez fait kidnapper. Vous avez regardé à partir de traçabilité comme ça qu'a dépensé l'Olympique à 200 000 dollars cash, 300 000 dollars cash. Je n'ai qu'à remonter pour un problème. Mais pas qui travaille là qui fait. Donc nous c'est vraiment un appel. On appelle à toute autorité pour que vous prenez question en charge. Parce que ça nous est. Nous est que vous prenez question insécurité à une question normale. Et tout le monde a parlé de l'autre bagaille. Il y a parlé de monter gouvernement. Il y a parlé de monter. C'est comme vous sommes pays qui est normal. Alors que. Pays à la zone métropolitaine dysfonctionnelle. Nous sommes dans la montagne noire, nous avons kidnappé 5 mondes, nous avons bloqué le bout de là, nous avons demandé parce que justement la police n'a pas fait ça pour faire. Et là où je vais au monde, c'est de négocier, négocier. Donc nous voyons que je dis, la stratégie que la zone métropolitaine n'a pas voir les gars. Cap et pas oublié. Des gangs qui étaient sous commandement, qui détachaient, qui ont fait justement le territoire par là, qui ont organisé de l'autre côté. Nous croyons que si on a un minimum de travail qui fait dans le commissariat, il faut éviter ça en attendant l'application du plan de sécurité. Deuxièmement, la question de traçabilité.
pas aucun effort qui fait pour garder comme ça qui sortit à qui balle. Bon, même le pari comme là, la police judiciaire est bien loin, lui-même, puisque la négociation, garder justement zone comme là, essayer de retracer. D'ailleurs, en Haïti, nous n'avons pas gagné habitude du tout faire grâce à l'habitude. Et nous allons louer ça. Notre semaine, nous avons des informations sur la question ça. Nous avons pas de la presse. Les grands ministres, premier ministre haïtien, qui ont même qui n'ont pas ça. Et puis, dans le pays, le rapport nous fait. Nous avons dit que nous avons perdu. Nous avons pris un. Et puis, pour les autres, nous avons fait un choix de moyens. Pour les autres, nous avons fait un choix. C'est celle de ça que vous avez dit, dans ce sens-là. Et puis, à partir de là, est-ce que les policiers ou les responsables de la PNH, ou pas capables de dire? Bon, sur question moyen, je ne vais pas répondre. Moi-même, j'ai un travail qui était fait avec le chef de police. J'ai un minimum de blanc que j'ai commencé. Il était demandé 60 millions de gouttes, mais c'est 10 millions de gouttes qui étaient balayés. Donc, ça montre que le moyen est important. Mais en plus de moyens, ils se disent qu'il faut un minimum de volonté. Et nous sommes lancés là. Ce n'est pas simplement la question de l'état-major. Les cadres intermédiaires de la police, moi, je vais vous travailler. Parce qu'il y a des commissariats, il y a 200 à 300 personnes du commandement. Et autant de chaque jour, dans la commune, il y a des gens qui ont été. Donc, m'interroger qui sont travail, même les cadres au niveau de la police, et me demander où ils sont. Parce que je dis, quelle que soit la situation, nous avons une police. Et cette police, il faut nous conserver parce que c'est une force publique que nous gagnons pour faire face à banditisme, à insécurité généralisée. Sénateur, vous dites et m'a cité, vous soumettez projet à Paris et des expériences sécurité pour l'avenir original de l'État. Qui ça gagne comme espoir de projet? Bon, expérimentez des bouillons africains. Maintenant, ça dépend des autorités. Merci. Merci.